Oh bah c'était pas si haut que ça. Ce puits sans fond a finalement un fond. Oh, bouge de là tout de suite. Oh, hey. C'est pas un puits sans fond. Ouais, j'ai vu. Mais ça pourrait bien l'être. On est coincé ici jusqu'à ce que nos montres refonctionnent. Pas moi, je vais trouver un moyen de sortir. Je me suis entraîné à évoluer sans l'aide de mes yeux. Je suis comme un chat, je peux voir dans le... Aïe. On doit faire sortir Ben de là-dedans. Mais comment? C'est sans fond. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Andy, vous m'auriez menti. En fait, on dit que c'est sans fond parce que c'est mieux pour le tourisme. Il fait seulement 42 mètres de profondeur. Seulement? Tu dois abandonner, Kevin. Jamais. Arrête, tu vas jamais t'en sortir. Tout ça, c'est ta faute, tu sais. La mienne? Si tu m'avais écouté, on serait pas ici. Tout ce que t'avais à faire, c'était suivre mon exemple. Ton exemple, plutôt... Attention! Cette grotte devrait nous protéger pour l'instant. Personne ne me jette des pierres. Kevin! Essaie encore de me lancer des pierres. Allez, vas-y. Point de cristal n'était absolument pas le meilleur choix. Tu ne fais qu'aggraver les choses. Si tu te blesses ici, on aura tous les deux de gros problèmes. On va devoir travailler ensemble. Oublie ça, Tenulson. Je peux le faire moi-même. On travaille ensemble et je promets de dire à tout le monde que c'était ton idée. J'ai trouvé de la corde. Il devrait y en avoir assez pour pouvoir les atteindre. Bien, on ira au puits dès que la voie sera libre. Le ravageur revient. Tu racontes ce passage à quelqu'un, je t'enterrerai pour de bon. Au secours. J'arrive. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un homme ne peut pas travailler en paix. Je ne sais pas comment vous êtes sorti de ce puits sans fond, mais j'apprécierais sincèrement que vous y retourniez tout de suite. En fait, on pensait que vous devriez voir ce qu'il y a en bas, pas vrai? Oui. Très bien. Lisa, allons-y. Tu vas bien, ma grande? J'en ai assez de ces affreux petits plaisantins. Ah, c'est pas juste. Pourquoi il casse toujours ma Lisa? Tu veux que je m'occupe du bulldozer? Il est tout à toi. Ben, oh, je suis si contente que t'es pas plongé dans un puits sans fond. Comment t'es sorti? Étonnamment, j'aurais pas réussi sans Kev... Où il est allé? Je comprendrai jamais ce garçon. Il aurait au moins pu nous aider à nettoyer. Je ne pourrais jamais vous remercier assez pour votre aide. Les choses auraient pu être bien pires. Non mais vous plaisantez. J'ai même pas payé la vieille Lisa. Et maintenant je dois payer pour réparer la nouvelle. Vous aurez tout le temps de trouver la solution en prison. Oh, c'est pas juste. Eh bien il a définitivement appris à quel point c'est difficile de sortir des problèmes. Ça, je te le fais pas dire. Si on se dépêche, on peut arriver à la grotte aux araignées avant qu'elle ne ferme. Moi, ne te fais surtout pas d'idée.